Et bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo d'Airsoft. Alors aujourd'hui je vous propose une petite compilation des meilleurs kills que j'ai réussi à faire et à filmer correctement lors de ma première journée sur le terrain CQB de Power Gun. Dans le scénario du jour, l'équipe adverse a pour mission de chercher et de récolter plusieurs objets à travers le terrain pour pouvoir recréer une fausse bombe chimique. Quant à elle, notre équipe a pour objectif de chercher, de défendre ces objets, mais aussi de trouver un code secret afin de désamorcer la bombe si cette dernière est activée par nos ennemis. Dans cette partie, je serai équipé d'une M4 M-Lock dans sa version longue, d'un Glock 17 ainsi que de 3 grenades. Pour ce début de partie, nous décidons de monter dans les étages, mais nous nous faisons rapidement surprendre par un joueur ennemi dans une cage d'escalier. Il est où ? Il est là. Il est out ? Je sais pas. T'es out ? Non. Dans cet extrait, je suis fictivement blessé et je ne peux utiliser que mon bras gauche. Forcément, je suis droitier et cela va me compliquer réellement la tâche pour viser. À ce moment-là de la partie, nous décidons de rentrer dans un bâtiment, mais à peine sommes-nous à l'intérieur que nous entendons déjà un joueur ennemi faire du bruit dans la pièce d'à côté. Et mets la vitre à travers. C'est lui? C'est le brassard? Putain, c'est qui la smoke? Comme vous l'entendez, l'équipe adverse a réussi à amorcer la bombe, mais nous disposons du code pour la désamorcer. Nous sommes en pleine infiltration dans le bâtiment exact où se trouve la bombe, mais nous nous rendons très vite compte que nous sommes suivis. Nous décidons alors de tendre une petite embuscade. Ça va? Ça? Non, ça. Mais ça va? T'étais tout seul? Après avoir respawn, nous avons finalement réussi à monter jusqu'au dernier étage et nous sommes à présent à quelques mètres seulement de notre objectif. Nous tenons le haut de l'escalier depuis quelques minutes déjà, mais un groupe de joueurs adverses empêche notre progression. Je vais alors proposer à un coéquipier de venir avec moi et d'essayer d'arriver dans le dos des joueurs ennemis.
1, 2, 3, 4. Pour ce sixième et dernier extrait, nous progressons dans les étages d'un bâtiment et lorsque nous atteignons le dernier niveau, un coéquipier va alors apercevoir des joueurs adverses situés dans une pièce tout au fond d'un long couloir. Je décide alors de sortir et d'utiliser mes deux dernières grenades afin d'optimiser nos chances de réussite. Notre équipe aura finalement réussi à désamorcer la bombe et nous remportons donc la victoire. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et aussi à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Et n'hésitez pas également à me donner dans l'espace commentaire vos avis, vos conseils et pourquoi pas me lancer des défis que je devrais réaliser dans une prochaine partie. Voilà, c'est tout pour moi. À très bientôt. Ciao.